Alors bonjour, bienvenue à votre rendez-vous santé. Aujourd'hui, vous allez visiter notre nouvelle urgence, et je dirais même votre nouvelle urgence. Vous allez constater qu'elle a bien changé, et aussi vous allez comprendre davantage comment ça se passe vraiment à l'urgence. Alors on y va? Alors bonjour, je suis avec Lucie Fontaine, assistante infirmière chef à l'urgence. Alors Lucie, merci d'être avec nous. Vous allez nous expliquer, il y a eu beaucoup de changements depuis l'année dernière. Quels sont les principaux changements à l'urgence ici au centre? Bien, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de rénovations. L'urgence a doublé de superficie avec le même nombre de personnel aussi. On a plus de salles spécialisées, exemple à cause de la prévention des infections, on a une salle d'isolement. On a une salle aussi pour la santé mentale. On a une belle salle de choc pour les patients qui ne vont pas bien. Qu'est-ce que vous voulez dire, salle de choc? Salle de choc, c'est un patient qui est instable, exemple, un infarctus, un patient qui va... la pression n'est pas belle, qui est en état de choc, dans le fond, un peu psychologique, mais physiquement. Physique. OK. Toutes les salles aussi, on a deux grands postes centrale, dans le fond, et toutes les pièces sont autour. Les postes des infirmières, ils sont au centre. Les infirmières, commis. Et les salles sont autour. Puis toutes les salles sont beaucoup plus grandes, donc beaucoup plus intéressantes pour travailler dedans, mais aussi pour les clients, parce que les clients ont tous des salles individuelles maintenant. D'accord. Donc, ça fait beaucoup plus d'intimité et c'est beaucoup plus agréable. L'autre chose aussi qui a beaucoup changé, c'est qu'on fait maintenant l'évaluation avant d'aller ouvrir le dossier au bureau d'admission. Donc, les gens, quand ils arrivent ici, là, c'est le triage. C'est ça. Il faut qu'ils prennent un coupon, là, je présume. La salle d'urgence, la salle d'attente, par contre, elle est agrandie. Puis, il y a un système de fonctionnement qui fait que c'est plus facile. C'est sûr que le monde ne sont pas habitués, mais ça va venir. Oui. Donc, quand ils arrivent, ils prennent un coupon. Ils vont s'asseoir sur les bancs rouges. Les bancs rouges signifiant qu'ils n'ont pas été vus encore par une infirmière, n'ont pas été pris en charge. D'accord. On ne sait pas pourquoi ils viennent. Une fois qu'ils sont évalués, ils vont au bureau d'admission ouvrir leur dossier. Dans un futur bien proche, ça va se faire ici. Va être juste ici ça, à côté, c'est une bonne nouvelle. Donc ils n'auront pas besoin de voyager partout. Oui. Ensuite, ils s'assoient sur les bancs bleus. Dans les bancs bleus, il y a aussi une section qui est réservée pour les patients qui ont la grippe ou qui ont des symptômes grippaux pour éviter la contamination de tous les autres patients. Les gens vont être à même tantôt de voir les changements que vous allez nous faire visiter. On va vous suivre. Oui. Pendant qu'on est dans la salle d'attente, il y a tout le fonctionnement de l'attente. Comme par exemple, moi, j'arriverai ici aujourd'hui, là, ça ferait une heure que j'attends, et il y a quelqu'un qui arrive après moi, mais tout de suite, il est vu. Comment se fait-il que des gens passent devant les autres comme ça? Pouvez-vous nous expliquer ça? Il y a un système d'évaluation au triage. C'est pas nous autres qui l'a inventé, OK? C'est le Canada. Il y a une échelle de trauma et gravité qui a été utilisée, et c'est avec ça qu'on se sert pour évaluer tous les gens, pour donner un degré, dans le fond, d'urgence. De priorité. Les priorités, il y en a cinq. On a de P1 à P5. P1 étant le plus urgent, P5 étant le moins urgent. P5, ça peut être souvent des choses qui pourraient être réglées dans des cliniques, mais on sait que des fois, ils ne sont pas capables d'avoir accès, donc ils viennent ici quand même, puis c'est correct. Oui. P1 étant, on ne verra jamais un patient P1 assis dans la salle d'attente. Ça va être déjà être l'autre côté, et même un P2. Un P2, ça veut dire que c'est 15 minutes. Ça veut dire qu'il faut vous interveniez. 15 minutes en charge, que ce soit infirmière ou médecin, mais c'est 15 minutes. Sinon, il y a un danger pour sa vie, est-ce que je comprends? Il y a un danger pour sa vie, c'est ça. Plus le P est élevé, plus c'est dangereux. C'est sûr que la clientèle peut le demander. Quel code de priorité ils sont assignés. Dans le meilleur des mondes, P1, c'est immédiat, P2, c'est 15 minutes, P3, c'est 30 minutes, P4, c'est 1 heure, et P5, c'est 2 heures et plus. Mais ça ne veut pas dire que c'est 30 minutes de voir le médecin, exemple, pour un P3. C'est une prise en charge infirmière. Exact. Il y a quelqu'un qui voit la personne. Et ça se peut qu'il y ait des P3 assis dans la salle d'attente. C'est correct. L'infirmière, elle les réévalue et c'est pour ça qu'elle a une vue sur tout l'ensemble. Sur tout le monde, voir comment les gens se comportent finalement en termes de santé. C'est ça. Puis, en ce qui a trait à qui passe avant l'autre, c'est sûr qu'on y va avec ordre de priorité aussi. Oui. Mais aussi, en même temps, on peut
comment je pourrais dire ça, on peut prioriser quelqu'un dans sa catégorie. OK, exemple, c'est un P3, mais l'autre P3, là, il me fatigue plus, là, lui. Là, okay. J'ai peur qu'il décompense vite. Quand vous dites décompenser, qu'il y a une détérioration de sa santé. Détérioration, j'aurais besoin d'un écho maintenant parce que j'ai peur une échographie. Un appendicite perforé ou des choses comme ça. On peut prioriser ce cas-là dans sa catégorie. Fait que ça se peut qu'il y ait du monde qui passe avant. Et aussi, les suivis, c'est plate, il faut qu'ils reviennent. Puis je pense que la veille, ils ont peut-être déjà attendu 8 heures, 9 heures, 10 heures. Alors souvent, on essaie d'insérer ces gens-là entre deux patients pour éviter qu'ils réattendent encore 8 et 9 heures. Alors, ce qui est important pour les gens de comprendre, c'est aussitôt que les gens voient l'infirmière, il y a un code de priorité. Oui. Un, on ne les verra pas dans la salle d'attente. Ils vont être vus à l'extérieur, ça va être très pris en main tout de suite. Oui. Deux, c'est la même chose dans les 15 minutes. Oui. Après, P3, P4, P5, ça peut être toutes sortes de choses. Exact. Une chute, ça peut être une grosse grippe avec de la fièvre. Il y a des choses comme ça. Et puis, il y a toujours une bonne évaluation. Les infirmières vont regarder, vont observer continuellement. Oui. Puis, c'est sûr que tous les clients qui se présentent veulent être soignés, ils vont tous l'être dans le délai. De quelle heure, je ne sais pas. C'est difficile de dire une moyenne. Mais il faut dire qu'ils sont comme à la bonne place si jamais il arrive quelque chose. Il arrive quelque chose. Tout le monde va être soigné, c'est sûr. Alors, on espère que vous avez plus saisi au niveau des codes de priorité. Alors, ce que vous aviez dit, si vous êtes en attente et vous voulez savoir, lorsque vous voyez l'infirmière, votre code de priorité, l'infirmière peut leur donner. Oui. Alors, on va faire la tournée. Oui. Vous allez nous faire visiter l'urgence. Oui. On y va. On vous suit. OK. Alors ici, vous voyez l'entrée de l'ambulance. Alors les ambulances arrivent tous ici, sont tous évaluées au triage aussi. Puis c'est pas vrai le mythe que parce que tu arrives en ambulance, tu passes plus vite. Ils sont évalués de la même façon que les clients qui sont dans la salle d'attente. Alors vous pouvez me suivre. Ici, on a une petite salle des familles. Donc la maman qui veut allaiter, la famille d'un client qui va pas bien, puis qui veut l'attendre, puis qui veulent pas être dans la salle d'attente avec toutes les autres parce que bon, ils sont tristes, ils pleurent. Alors on a une petite salle exprès pour eux autres, ce qu'on n'avait pas avant. Ça, c'est nouveau. Alors on est chanceux pour la visite. Il y a pas personne. Ce que j'expliquais dans la salle de choc. Salle de choc étant une salle de stabilisation, alors un patient qui arrive ici, soit avec un infarctus ou un patient accidenté de voiture, des choses comme ça, c'est ici. Alors l'espace est grand, il y a de la place pour travailler, que ce soit autant adulte ou pédiatrie. Alors il y a de la place pour les inhalos, pour le médecin, pour les infirmières, pour qu'on puisse bien travailler. On peut sortir par ici. Alors, si vous voulez me suivre, je vais faire le tour. Alors ici, quand on parlait des deux postes pour le travail, des infirmières et des médecins, alors on a un poste ici et les salles sont vraiment tout le tour, certaines avec des portes fermées et d'autres, c'est seulement avec des rideaux. On a aussi essayé de concentrer tout notre matériel dans le centre, comme ça, bien, ça évite des pas à tout le monde. Alors, on essaie de venir chercher notre matériel comme ça. Quand on parlait des salles individuelles pour chaque patient, on peut en filmer une. On en a une qui n'a pas personne dedans. Alors, toutes les salles sont montées pareilles. Fait que c'est plus facile d'utilisation pour tout le monde. Ici, à votre gauche, vous avez l'autre poste de travail, surtout pour l'infirmière qui est en observation. Lucie, dites-moi, tantôt on a vu un premier poste. Ça, c'est pour l'évaluation. Et ce côté-ci, c'est pour l'observation? Oui. En général, oui, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des fois des patients qui sont en évaluation, qui sont sur ce côté ici, là, mais les patients observent officiels. On essaie de toutes les garder du même côté. C'est plus facile pour travailler. D'accord. De l'autre côté, quand on parlait tantôt des petites salles précises, des salles spécifiques, alors la salle avec la porte là-bas, c'est la salle pour la santé mentale. Évidemment, la salle, elle sert à d'autres choses quand on n'a pas de cas comme ça. Mais c'est une salle spécifique pour que ce ne soit pas dangereux et pour nous et pour le client surtout. Et quand on parle des salles de technique d'isolation, c'est une salle à pression négative. On en a deux d'ailleurs. C'est pour les cas de rougeole, des choses spécifiques qu'on a besoin parce que le microbe est dans l'air. Donc, c'est vraiment pour protéger, isoler, absolument. Pour le patient et pour les autres clients aussi. Vous avez combien de salles tout le tour? On a environ 15 salles,
plus des cubicules de travail pour le médecin, là, les patients qu'on appelle les walk-in. Là, ça veut dire qu'ils viennent puis qu'ils repartent. Là, d'accord. Tout c'est vraiment, quand vous dites doubler de superficie, c'est vraiment le cas avec ces postes des infirmières-là. Oui. Vous avez aussi une salle de chirurgie. Je comprends qu'elle est occupée présentement. C'est pour quel type de... Bien, soit les lacérations, elle est un petit peu multifonctionnelle en même temps, mais pour tout ce qui concerne l'ORL et l'ORL, les lacérations, même certains traumas parfois qu'on n'a pas besoin de mettre dans la salle de stabilisation, mais qu'on a besoin d'une salle plus grande et plus fonctionnelle. Elle est à peu près, je dirais, peut-être... pas la moitié, un petit peu plus que la moitié de la salle comparativement de la salle de trauma qu'on a vu tantôt. Puis quelques exemples déjà que vous traitez dans la salle de chirurgie? Des bonnes lacérations, exemple, lacérations avec une CHN, des amputations de doigts, des choses comme ça, des points de suture, des problèmes avec les yeux, beaucoup aussi, c'est la salle qui sert à ça aussi. OK, alors on vous suit encore. Merci. Alors, une fois que les gens ont fait leur inscription, nous, quand on les appelle, en général, c'est dans des cubicules comme ça. Donc, c'est des cubicules qui sont pas des, qu'on ne considère pas les patients couchés. Alors, sont toutes faites comme ça pour un peu la prévention des infections, donc pas beaucoup de matériel. Beaucoup plus de confidentialité aussi depuis l'agrandissement de l'urgence. Vraiment, ça, c'était un gros plus pour notre salle d'urgence, pour votre salle d'urgence. Alors, comme on parlait tantôt, on a 4 salles d'examen quand on appelle les clients de la salle d'attente. Alors, il y a 1, 2, 3 et 4. Si on a besoin d'être à l'intérieur, c'est le personnel qui s'organise pour les faire entrer parce que les portes sont barrées. Alors, Lucie, ça complète un peu notre visite de l'urgence. Oui. C'est sûr que vous en auriez beaucoup à dire encore, mais on a l'essentiel. Oui. Si je vous demandais, avez-vous un message pour les gens qui nous écoutent quand les gens viennent ici, à l'urgence ou avant de venir? C'est sûr qu'avant de venir, c'est toujours préférable d'appeler le 811, OK, pour avoir des informations, de consulter dans les cliniques si c'est pas un problème qui est trop urgent. Puis après ça, quand on peut pas, de venir à l'urgence, mais l'urgence reste la porte d'entrée. C'est pour les cas urgents. Donc, les gens qui ont un simple rhume, qui ne font pas de fièvre et qui se rendent ici avec leur enfant, par exemple, ils risquent d'avoir un plus long temps d'attente. Exactement. Ils vont avoir peut-être un plus long d'attente, mais ils vont être vus pareil éventuellement. Puis on va lui donner le meilleur service qu'on peut lui donner. Lucie, un sincère merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et quant à vous, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus maintenant sur votre urgence. Alors, on vous revoit à la prochaine émission. Merci. Bonne journée.